Mademoiselle, pouvez-vous me rendre un service? Si je peux, avec plaisir. Je cherche une photo d'une jeune fille brune, assise au bord d'une rivière, avec une robe bleue. C'est celle-ci, je pense. Mon été 36. Mon été 36. Le plus bel été de ma vie. Maman, je pars en congé, pas à la guerre. Vaut mieux prévoir trop que pas assez. La guerre, on connaît pas les vacances. Tu crois qu'il y a des épiceries au bord de la mer? En tout cas, il y a des poissons, on ne mourra pas de faim. Te moque pas, 15 jours, c'est long. Fais attention au vélo, hein, Gabi. J'ai mis des pneus neufs, mais... Allez, je vais finir par être en retard. Bonnes vacances, ma fille. Oh, ça fait drôle de dire ça. Alors toi aussi, t'as changé d'avis? Puis nous, comme d'hab, on n'a pas notre mot à dire. Hein? Vous décidez? Ça suffit, Mado. On a pris une décision, on s'y tient. Ah ben, ça nous changera. Allez, Momo. Hé, hey, Lucien. Bonjour à Gabi, de ma part. Qu'est-ce qu'il y a? Elles sont où, les filles? Et vos bagages? On part plus. Pour garantir l'avenir, il faut parfois savoir sacrifier le présent. T'imagines si on retrouvait pas nos places au retour? En face, ils sont capables de tout. On est bien placés pour le savoir. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Perdre nos boulots? Mais les congés payés, c'est un droit, on s'est assez battu pour les avoir. Justement. En restant, on consolide nos acquis. Alors ça, c'est la meilleure. Et nos 40 heures, on va pas les prendre non plus. Ni la sécu, ni le chômage. Comme ça, on est sûr de les garder. Tu confonds tout, là. Je confonds? Les patrons, ils vont pas confondre. Des marioles. Voilà pourquoi ils vont nous prendre. Et ils seront pas les seuls. Les copains du syndicat, ils vont pas nous rater non plus. Eux, j'en fais mon affaire. Pour toi, c'est facile, t'as pas d'enfant. Moi, j'en ai un. Ton fils, à qui t'as promis la mer et le sable fin. Toi, tu rentres à la maison. Je suis venue vous remercier. Grâce à vous, on s'est collé un an de crédit sur le dos. Hein, tout ça pour passer l'été à faire le tour du quartier sur nos vélos tout neufs. Il y a de quoi pavoiser. Mado. Et toi? Tu dis rien? Tu penses comme les autres? Des vacances, on en aura d'autres. Hein. Si on n'y va pas cette année, c'est pour être sûr d'y aller l'année prochaine. C'est ça, Lucien. Sacrifie le présent à l'avenir. Moi, j'ai dit que j'y allais, j'y vais, j'irai. Et j'y resterai jusqu'au dernier jour. Commence pas comme ça. Les bonnes femmes, moins tu leur cours après, plus elles te mangent dans la pogne. Crois-moi. Hein, Momo? Gabi! Attends-moi! Tu restes là, Mado! Mais tu me laisses... Tu restes là! Tranquille! Gardez bien leurs talons. Dans 2 heures, on reverra leur pointe. Tu trouves pas ça bizarre?
Quoi? Qu'on ait croisé personne, ça fait 2 heures qu'on roule. Et si on était les seuls à partir? Ils ont peut-être pas tort, les autres. Albert, il dit pas que des bêtises. Je pars, tu pars, on part, allons autre part. Pour le soleil, les oiseaux, les abeilles. Pour ce voyage, partons sans nos bagages. Moi comme les deux mouchoirs, un panier rasoir. Soyons prudents, prenons la brosse à dents. Mais le piano nous gênerait dans l'auto. Allons. Plus que ça. Entonnez l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes. Allez, chantez avec moi, les filles, allez. Go. Hey, vous vous courez de route. Rome, c'est derrière. Tous les chemins y mènent, mon fils. Tous. Bah, pas le mien. Tu veux voir Calvert et les autres? Ils vont pas tarder à l'appliquer. T'imagines leur bobine s'ils nous voient avec eux? Des fois qu'ils seraient derrière! Tout, un mort à tout fait, l'amado. Mais je la croyais pas capable d'abandonner son gosse. Et de partir sans moi. Quand elles vont rentrer, est-ce qu'elles vont prendre? C'est quel jour au boulot, là? Je vais pas la louper, hein. Pas vrai, mon Lulu? On aurait dû partir avec elle. Dame, t'as perdu. Ils ne sont plus les beaux jours de l'amitié. Les amis, alors les cathos, c'est le schisme? Il aboie mais il mord pas. Comme tous les bassins, mais il manque de flair. On vient des papeteries du sud-ouest, pas du couvent des oiseaux. Et on va au camp de toile des syndicats, pas aux vêpres. Mille excuses. Caudron Raymond, ajusteur à Blanquefort. Et moi, c'est Marinette, décolleteuse chez Lefranc. C'est mon frère. Faut pas se fier aux apparences. Vous avez du cran, hein. 2 ficelles sur la route, moi j'entrerai jamais. Oh, mais c'était pas prévu. C'est à cause d'Albert, mon mari. Nos hommes l'ont retenu. Une tante malade. Ils nous rejoindront dès que possible. Ils sont de la même famille? Pas du tout, pourquoi? Non, c'est pour pas mettre ceux du camp dans la mouise. Ils nous ont envoyés en éclaireuse. Ah, c'est bien de penser aux autres. On fait la route ensemble, camarade? Allez, encore un petit effort! Mado! 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 Apprends un peu sur toi!
va faire une petite pause. Il reste plus que 10 bornes. Oh, ben je serais morte avant. Hein. Continuez sans moi. Si elles s'arrêtent, elles repartiront pas. Hein. Surtout que tes 10 bornes, tu peux les multiplier par 3. Il y a peut-être une solution. Vrai ? Tu sais pas tenir un guidon ? Je sais suivre, mais pas conduire. J'ai jamais pu apprendre. Ça va, Mado ? Mado ! Moi, dans ces conditions, je viens aller jusqu'à New York. Bienvenue, camarade. Duclos Jeannot, responsable du camp. Elle, c'est Duclos Odette, ma femme. Enchantée. Nous, c'est... Caudron Raymond et Marinette, tentes numéro 8 et 9, au fond du camp. Bah, comment vous nous avez reconnus ? Vous êtes les seuls que je connais pas. L'Estache Gabriel et Dubernay-Madeleine. Nous, on se connaît. Ils sont où, les autres ? Il est où, Albert ? Bravo pour le comité d'accueil. Pourquoi tu leur parles comme ça ? C'est pas de leur faute si leurs jules ont été retenus. On reconnaît la chanson. Depuis ce matin, ça n'arrête pas, les télégrammes. 10 enterrements, 4 rayons, je te passe les vols de vélo. Au début, on s'apitoie, après on se méfie. Et si le camarade Albert, notre délégué régional en personne, se déballonne ? Albert et Lucien sont restés chez nous pour convaincre les autres de partir. Ils nous ont envoyés d'abord, justement, pour pas te mettre dans la panade. Bah, s'ils avaient su ce qui nous attendait... J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais les choses étant ce qu'elles sont, faut régler vos séjours maintenant, voilà. C'était pas ce qui était convenu. Ce qui était convenu, c'est que vous soyez 15, pas 2, ça change tout. Le camping, ça coûte. Même si le syndicat va nous rembourser, on a dû faire l'avance sur nos économies. On va quand même pas faire les frais de la lâcheté des autres. Ça sera un comble. Une valise pour 2 ? Ah, vous voyagez léger. Tiens, le compte est juste. Comme on dit chez les riches, les bons comptes font les bons amis. Et toi ? C'est Albert qui a les sous. T'auras qu'à lui réclamer quand il arrivera, comme t'as fait avec nous. J'ai rien à me mettre sur le dos. Pas un sou. Je vais pas pouvoir rester. Hein. Puis question confort, tu repasseras. Hein. Pourquoi t'as pas pris une tente toute seule ? Ça change rien, tu sais. J'ai jamais dormi seule de ma vie. Je suis passée directement du lit avec ma sœur à celui avec Albert. J'ai les jetons. Sérieux ? Ça aurait été un moment. Seule, je fermerais pas l'œil de la nuit. Et même que peut-être... Je mourrai d'un infarctus. Infarctus. Quoi ? Ouais. Dors bien. Mais Capi, tu crois vraiment qu'ils vont venir ? S'ils pourraient faire d'autres. Camarades, le soleil s'est levé. C'est la première fois que je vois jusqu'au bout de mes yeux. Je croyais pas qu'on pouvait voir si loin. Moi, je savais pas que la mer, ça faisait autant de bruit. Quand c'est plus beau que beau, c'est comment qu'on dit ?
me dis rien. Allez, viens, on va se baigner. Attends-moi! Ah, c'est froid! Ah, c'est froid, ça serre les chevilles! Goûte, Mano. On dirait qu'on a mis du sel dedans. C'est bon, c'est bon. Lâcher après ce qu'on a vécu ensemble. 3 mois de grève à occuper l'usine, jour et nuit. Et la paye qu'on y a laissée. La castagne avec les jaunes. Allez, va. Va faire trempette. Laisse les piquer tranquillement ta place. Albert, un travail, ça se retrouve. Pas une fille comme Gabi. Depuis hier soir, je tourne en rond comme un fou. J'arrête pas d'y penser. Faut que j'y aille, sinon je vais devenir neuneu. Papa, j'ai faim. Arrête de gémir, toi. J'ai faim. C'est pas l'heure. Je vais lâcher au moment où j'ai le plus besoin de toi. Ça fait mal. Ça fait très mal, Lucien. Bon, j'y vais. À bientôt, Albert. Lucien, je me suis trompé. Je croyais qu'on était amis. Bon, bah maintenant qu'on a vu la mer, on pourrait peut-être rentrer chez nous. Oui, dans 15 jours. T'as pas le droit de me faire ça, hein. Sans toi, je serais pas là, c'est toi qui m'as entraînée. Oh là, minute, papillon. J'ai obligé personne à me suivre. Maintenant, si tu veux qu'Albert passe pour un trouillard et nous pour deux menteuses, tu peux rentrer, mais sans moi. Une fois de plus, je me retrouve coincée à cause de ce fichu syndicat. Alors là, c'est le bouquet. J'ai l'air d'un sac. T'as pas autre chose? Bah, t'as tort, elle te va très bien, cette robe. Tu devrais t'habiller plus souvent comme ça. Jeannot! Jeannot! Pas à dire, ça vous finit une femme, ça. Pas vrai, Gabi? Dis donc, qu'est-ce que je raconte à Lucien? Je sais pas quoi lui écrire, moi. Bah tiens, t'as qu'à copier sur moi, j'ai copié sur Marinette. Bon baiser d'Arcachon, Mado. Tu t'es pas foulée? Oh. T'aurais pu trouver plus intime? Je sais pas, moi, si tu veux qu'il réplique, va falloir faire un effort. Gabi a raison, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Chut, passe-moi ça. Comme ça, c'est mieux. Beaucoup mieux. À mon avis, tu vas le rendre fou. Viens vite, mon bébé. Tu me manques, ta Mado qui t'aime. J'ai peint mes ongles des pieds en rouge. Tu vas adorer. Moi, allez, à mon tour, Marinette. Tu devrais faire du musical. T'as la voix de Damien et les jambes de Miss Tinguette. Mais c'est que le contraire, hein. Tiens, rallonge-y son raccourci à Jeannot. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Arrête de râler. Profite un peu. C'est beau, non? Je suis venue au bord de la mer, pas au bord de la cambrousse. Oh. Oh, merde! Tiens, à te laver les mains. Les bouseux, ils sont sensibles à la propreté, hein, surtout chez les autres. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, il n'y a pas d'eau? Là-bas, derrière, il y en a. Mais comment tu le sais? Bah, à cause des frênes. Quand il y a des frênes, c'est qu'il y a de l'eau. Allez, va, je te dis. Thank you.
Bonjour. N'ayez pas peur, vous étiez tellement jolie. Un vrai Renoir, je n'ai pas résisté. Constant. Constant Pizin. Je suis photographe. Et vous ? Moi ? Quel est votre nom ? Gabi. En vrai, Gabriel. Faut que j'y aille, on m'attend. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir, Gabi. Qu'est-ce que t'as ? T'es bizarre depuis tout à l'heure. Tu sais ce que c'est, toi, un Renoir ? Bah, bien sûr. C'est un peintre d'avant. Maman, il collectionne ses images dans le chocolat. Pourquoi tu me demandes ça ? Comme ça, pour savoir. Quelle gamine ! Tu m'as embouché un coin. Ben allez, laquelle il te manque ? Maman, il en a plein en double. Ah, mais je te préviens, il est coriace, hein ? Faudra que tu lui refiles quelque chose en échange. 11, 12, 13, 14... On avait dit 3 douzaines, il en manque une. Pardon. Ah, les patates, s'il y a 10 kilos, moi je suis le pape. Faut peser. Arrête. Dix kilos. Bon poids encore. Vous permettez ? Vous pouvez repeser ? Mon ami plaisante. Hein, Gabi, tu plaisantes ? Non, pas du tout. Je vais pas me laisser voler en souriant. Et les poireaux, vous avez pas plus frais ? Aimé ! Pas bien ? Tu te crois où, là ? T'es pas au marché ! Mais regarde les salades ! C'est laquelle qui nous a traités de voleurs ? Vos œufs sont tellement frais que les coquilles sont fêlées. Et vos patates font un certain culot pour prétendre qu'elles sont nouvelles. Alors faudrait pas me prendre pour une imbécile ni pour la bégomme. Gardez tout, on ira se servir ailleurs. Mais faut pas le prendre à mal, mademoiselle. On va s'arranger. Je vois pas comment. Eh ben, je vous change les salades et les poireaux, et je vous donne le lait. Donner le lait ? Tu deviens fou ? J'ai dit. Basile ! Basile. Tu retournes, Basile. Allez le tirer vous-même. Le lait, c'est gratis, pas la main d'œuvre. Aimé ! Aimé, viens vite, il faut du mal aux bêtes ! Où c'est que vous avez appris ça, à vous ? Comme vous, chez mes parents. T'es de la campagne, toi, maintenant ? De maintenant ? Traire une vache, c'est comme faire du vélo, hein. Quand t'apprends petit, t'oublies jamais. C'est votre mère qui va être contente. Au fait, vous êtes tout seul avec elle ? Votre femme, elle est où ? Je suis veuf. Ça vous dérange pas de le mettre en bidon ? Seule dans une ferme comme la vôtre, je vous plains. Celle-là aussi, faut la traire. Et toi, ma beauté, comment tu t'appelles ? La Blanchette. Ah, la Blanchette. Je suis sûre qu'on va devenir très copines, toi et moi. La Blanchette. Quoi, ces messes basses ? Rien, je t'expliquerai. Jamais ! Jamais je travaillerai pendant les vacances ! Très bien qu'on s'arrête ! C'est lui qui me l'a proposé. Il manque de bras à la ferme. 2 francs la journée, on aurait pu tomber plus mal. T'iras toute seule. Sans toi, j'y vais pas. J'ai pas envie de passer pour une... Une quoi ? Une femme seule qui va chez un homme seul, c'est quoi, d'après toi ? Et ceux du camp ? T'y as pensé ? Tu vas leur raconter quoi ? Tu pars bosser, peut-être ?
Ouais, j'ai pensé. Et si Albert vient pas? En plus de la honte, on leur devra des sous. La ferme, c'est la solution. Puis pour les autres, ben, on inventera une craquette. On n'en est plus à une près. De toute façon, je vois pas pourquoi on discute. La vieille, elle voudra jamais, surtout avec moi. Qu'est-ce qui te prend? Réappropriation sociale. Ça vaut mieux que travailler pendant les vacances? Oui. Il ne vous plaît pas? Non, pas du tout. Alors je vais en changer. C'est gentil à vous. Mado, je te présente Constant. Constant... Le propriétaire de l'auto. Mado, ma meilleure amie. Tu le connais? Mais tu vois bien que non. Il a débarqué tout à l'heure. Il veut faire des photos du camp. Moi, j'ai dit d'accord, mais tu t'installes avec nous. Et un séjour de plus. Il va rester? Il peut pas. Il n'est pas ouvrier. Vu l'affluence, on va pas faire la fine bouche. D'abord, pourquoi il veut nous prendre en photo? Tu lui as demandé au moins? Pour me couvrir de ridicule, et merci bien. On vit un moment historique, figure-toi. Cet été, on parle plus de nous que du Tour de France. Des héros des temps modernes, voilà ce qu'on est. Et les héros, bah, ça se prend en photo. Il n'est pas comme nous, ça se voit tout de suite. T'auras qu'à faire comme s'il n'était pas là. Je me rappelle plus comment qu'on s'était rencontrés. Je ne sais plus si c'est lui qui a parlé premier. Si c'était moi qui avais fait les avances, ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux me rappeler, c'est lui mon cœur a choisi. Et quand il dit quoi, est-ce qu'il est simple ce Constant quand même? Bah, et pourquoi il serait compliqué? C'est un photographe, pas Dieu le père, hein? Ah, écoute, moi je cherche un mari, hein, alors je néglige aucune piste. Bah, je suis pas sûre que ce soit le bon cheval. Pourquoi tu dis ça? Il est pas net. M'étonnerait pas qu'il soit de la jaquette. Tu crois? Pour une fois qu'il y en avait un libre. Merci Léon. Tout ça, c'est grâce à toi. Il les avait même pas demandé, les congés payés et ton Blum. Si on doit remercier quelqu'un, c'est Thorez. Et un peu grâce à nous, quand même. Vous avez une voix superbe. Vous avez appris à chanter? Non, cette famille. On chante tous comme ça chez moi. Je gamète. Je suis persuadé du contraire. Hein, vous êtes très doué, vous savez. Vous pourriez aller loin. Hein. Non, vous en faites pas, je peux me tromper. Puis d'ailleurs, je me trompe souvent, vous savez. Là, je vous crois. C'est de pas voir Lucien qui te rend triste. Il te manque, toi, Albert? En tout cas, Momo me manque. Mon petit loup. Surtout le soir. Il est pas croyable, ce drôle. Tu vas le coucher, oui? Tu vas t'en prendre une? Vas-y, viens nous dire qu'il va s'en prendre une. Ah oui? Et vers minuit, on se retrouve tous au dôme, à Montparnasse. Tous les soirs? Et vous arrivez à vous lever le lendemain? Pas toujours, toujours. Mais quand est-ce que vous travaillez? Vous êtes bien matinaux. Bon, on s'est pas couché. On a parlé toute la nuit. Constant, il est de Paris. Il connaît tout le monde là-bas. Tiens, raconte-leur la fois où t'as dîné avec Gabin. Bah si, vas-y, raconte! Ah, une autre fois. Ah, il est tard, je vais me coucher. Bonsoir. Salam
première fois qu'on me dit bonsoir au petit matin. Vous avez de la chance. Quel poseur, celui-là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Que t'as de la chance de te lever avec le jour, te dire le niveau. Tu comprends rien. Et qu'est-ce que vous foutez déjà debout, vous ? Eh ben, si on te le demande. On va se balader. Bon, la bonne balade, hein. À ce soir. Bonne nuit. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Comme une lettre à la poste. On parle à peau d'ours. Elle était pas prévue, elle. Les deux ou personne. Mais c'est pas travaillé. Ça se voit de suite qu'elle est pas de la campagne. Vous avez raison. Moi, j'y connais rien. Mais alors, rien du tout. Elle en rajoute toujours. Puis pour ramasser des patates, y a pas besoin d'avoir un père paysan. Vous êtes pas d'accord? Ça, je dis pas, non. Je savais pas qu'il y en avait deux. Celle-là, si elle tient jusqu'à midi, il faudra remercier le bon Dieu. Bon. Je vous éviterai cette peine! J'aurais dû mettre des gants, je vais avoir les mains en sang. La peau, ça repousse, pas les habits. Moyen-âge ici. Oh, occupe-toi de tes patates et arrête de gémir! Ça vient de la ville, ça se croit plus malin que tout le monde. Allez. Viens. Marié ou pendu dans l'année. Si j'ai le choix, il est bon. Hein. Depuis quand elle est veuve? Qui ça? L'autre, là. L'intrigante. Oh bah, c'est très récent. On était sûr. Et elle a des enfants? Des enfants, c'est beaucoup dire. Hein. Elle a des enfants ou elle en a pas? Bah, pas en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, bah, je la connais pas beaucoup. Vous avez l'air amie pourtant. Vous savez, elle se lit très vite. Hein. Ça, j'avais remarqué. Et là, mais faites attention, bon sang de bois. Vous en versez toujours la moitié par terre. Oh, quel fléau cette fille! Là, vous ajoutez un poulet et des haricots verts extra fins. Vous allez vous régaler. Extra fins, c'est trop gentil. Bon, on y va? Vous êtes sûr que vous voulez pas rester manger avec nous? Ben, on pourrait peut-être... Non, on peut pas. Bon ben, à demain alors. Ah non, demain c'est dimanche. Mado fait dire une messe pour le repos de son mari. Au revoir, Madeleine. Vous êtes la bienvenue avant la messe ou après, hein. Merci, Aimé. Au revoir. Extra fin. Non, vous êtes trop bon. Venez avant ou après la messe, quand vous voudrez. Le pauvre m'a fait de la peine. Veuve, t'as rien trouvé plus idiot? Oh, si on peut plus s'amuser. Tu parles d'une marade? Pour quelqu'un qui supporte pas les pécores, je t'ai trouvé bien aimable. T'es jalouse? Bon, allez, brouillez! On n'attend plus que vous pour la photo! Qu'est-ce que vous avez fabriqué? Bah, j'ai une tente dans le coin. Puis, elle voulait plus nous lâcher. Elle est vieux, tu sais ce que c'est. Encore une tente? Allez, en place, vite! C'est une idée de Jeannot. Un tableau vivant pour jamais oublier. Constant va nous faire beau comme une peinture. Bien. Vous pensez à votre alignement, merci. Voilà, très bien. Le visage bien. Non, s'il vous plaît, mademoiselle, on arrête de chahuter parce qu'on va pas y arriver. Hein. Un petit peu plus bas, le drapeau, s'il vous plaît. Non. Voilà. Et si c'est pour rire, vous sortez. On vous laisse entre artistes. Bien. Alors on reprend. Oh, il y a longtemps que j'ai parlé comme ça. Puis l'école communale, je crois. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est entre filles. Voilà. Quand il y a les hommes, c'est pas pareil. Tu crois? Mais c'est certain.
T'en as connu beaucoup, des hommes? Bah non. Aucun, à part Albert. Et comment ça se passe pour toi? C'est vrai, on parle pas de ça, mais... ça compte quand même, tu crois pas? Avec Lucien, tu... on l'a pas fait. Tu te fiches de moi? Non. Bah, il essaye pas de... tu vois ce que je veux dire? Si, il a essayé une fois. Puis j'ai pas voulu. Alors il a pas recommencé. Mais toi, t'as jamais envie de... Jamais? Si. Mais je préfère attendre. Je trouve ça plus beau de se donner à un homme à qui on vient de promettre devant tout le monde de l'aimer toute sa vie. Aïe! Ah, c'est infernal, j'arrête pas de me faire bouffer. Hein. Dis donc, c'est marrant, moi, il me pique pas. Ah bah moi, c'est comme Gabi, hein. S'il y en a un, il est pour moi. Là, même pour l'époux. J'ai jamais eu de bol, ça s'arrange pas. Mais qu'est-ce que t'as, Marinette? Dans une semaine, c'est mon anniversaire. Cette fois-ci, j'y couperai pas, hein, je vais coiffer Catherinette. Mais c'est pas un drame. Bah pour toi, peut-être, mais moi... en plus, c'est pas ici que je vais trouver chaussures à mon pied. J'ai pas choisi le bon camp. Ah, t'oublies l'élégant, notre photographe particulier. Constant. C'est toi qui m'as dit que... tout le monde peut se tromper. Pour tout vous dire, je crois que j'ai la cote avec lui. Il t'a fait des avances? C'est pas besoin. Les yeux, ça trompe pas. Il a pas arrêté de me prendre en photo toute la journée. Oh, méfie-toi, Marinette. Il y a que dans les livres que les princes épousent les bergères. Dans la vraie vie, les... ah oui, et le roi d'Angleterre, t'en fais quoi? Il va épouser une roturière, divorcée en plus, alors... Mendo, le v'là. Qui? Ben, le roi d'Angleterre. Bon, arrêtez, vous allez muser à force. C'est pour qui, cette photo? Pour moi. Un travail personnel. Ça vous dérange pas de travailler pendant vos congés? Surtout cette année? Et vous? Quoi, moi? Hier, j'avais cru. Le réveil au chant du coq, le retour au soleil couchant. Les mains rouges, la ferme, la fatigue. Mais je vous l'ai dit, moi, je me trompe souvent. Les autres aussi? Ils ont compris? Non, ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous avez vu et pas eux? Parce que... je vous regarde... différemment, je suppose. Gabi, un télégramme. Rien de grave, j'espère. Ils arrivent, on peut voir. Et puis quoi encore? Il arrive quand, l'Albert, exactement? Dans 3 jours. Voilà, cinglinglin. En tout cas, nous, on veut rentrer dans nos frais. 3 jours, c'est pas long. Tu peux attendre 3 jours, non? Pas un de plus, sinon je préviens le syndicat. T'es en compte, maintenant. Oh, mais t'en fais pas, madame. Oh, Mado, mais tu sais comment il est, ton Albert. Oh, il s'emporte, mais... Non, pas cette fois. Pas cette fois, Gabi, là, c'est fini. Divorcé. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Et Momo. Bon, ben... on va rentrer, Mado. Je vais tout prendre sur moi. Hein? Il comprendra, Albert. J'espère. Allez, viens, on s'en va. Ah non.
Non, non, moi, je veux pas laisser des dettes derrière moi. J'ai tout perdu, je veux partir la tête haute. On retourne à la ferme, on rembourse et après, on rentre. Mais le télégramme, il faut y aller. Eh ben, ça changera quoi, hein? Il veut plus de moi, il veut plus de moi. Voilà. Là, Gabi, c'est moi qui te demande de rester. Bon, ben... Si tu crois que c'est mieux. Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à la maison, danser sous les lampions blancs, s'allonger sur le gazon, comme des oiseaux dans les buissons, on s'embrassait à chaque instant. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une terrible nouvelle nous parvient à l'instant de Madrid. La guerre civile vient d'éclater en Espagne. Le général Franco et ses troupes marchent sur Malaga avec à leur tête Mado un régiment espagnol, composé essentiellement de tirailleurs marocains. T'es où ? Mado ! Mado, viens vite ! Mado ! Mado ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la guerre, Mado. La guerre civile en Espagne. Oh mon, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était grave. Faut pas paniquer comme ça, Gabi. L'Espagne, c'est pas l'Allemagne. Puis la guerre civile, c'est entre eux. C'est quoi, Aimé? Non. C'est la guerre en Espagne. Ah bon? Bon. T'as rien vu, c'est rien passé. C'est déjà assez difficile pour moi en ce moment. C'est pour ça que tu voulais revenir, Mado? Mais c'est pas possible. Je suis divorcée. J'ai de compte à rendre à personne. Divorcée, puis veuve, et puis quoi encore? Et t'as la conscience tranquille en plus? Mais qu'est-ce que tu comprends, toi? À ton âge, t'as même pas vu le loup. De quoi t'as peur? Hein? Qui te mange? Arrête, Mado. J'aurais honte à ta place. Si vous partez, c'est plus la peine de remettre les pieds ici. Bon débarras! Tu reviendras? Je crois pas, non. Mais je t'oublierai pas. Quand je serai grande, je serai comme toi, ouvrière de la ville. Vous arrive? Qu'est-ce que vous faites toute seule sur cette route? J'ai crevé. J'ai rien pour réparer. C'est la guerre en Espagne. Et Mado, Mado, elle s'en fout. Ben, montez, je vous ramène. Dans une voiture? Allez-y, continuez d'aller vite. Je crois que j'aime bien ça. Ça donne envie d'aller loin. Sahara.
bon sang que c'est beau. Oh, j'ai jamais vu aussi loin. C'est vraiment comme ça, le Sahara? Ah, ça y ressemble. En plus grand. Mais sans la mer. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez toujours rentrer au camp? Rentrer toute seule. Je voudrais pas qu'on... Qu'on nous voit ensemble? Bon, on arrête là. On va pas se faire la tête jusqu'à la fin des vacances, non? C'est pas moi qui a commencé. Oh. Albert, je l'ai jamais trompé. Pas une seule fois. J'ai même jamais eu envie. Mais là, ça m'a pris d'un coup dès que je l'ai vu. Tu l'aimes? Bah non, je l'aime pas. Non mais, quand il me regarde avec ses yeux, là, je peux plus rien faire. Mais pardon, mais avec Albert, au bout de 15 ans, c'est plus ce que c'était. Alors qu'avec lui... Tu sais, moi aussi, j'ai passé une journée incroyable. Attends, moi j'essaie de t'expliquer, puis toi tu me coupes dans mon élan. Je t'embête ou quoi? Non, non. Non, continue. Tu vois, aimer, c'est... C'est comme dans la chanson, là. Je fais sa chose à lui. Quoi, c'est pas de ma faute? Non, moi je me disais... C'est toi qui vas en ville chercher Luma. Il est gonflé, le Jeannot. Je vais lui dire deux mots. C'est pas la peine, ça fait plaisir. Je fais une balade. À soir. À soir. Hé, bonjour à ta tante. J'y manquerai pas. Merci, monsieur. Bonjour. Ça me va lancer l'huître? Un peu bizarre. À vous, Gabi. Ouais, à moi. Vous êtes incroyable, hein? Formidable, rare, incroyable. Et quoi d'autre encore? Drôle. Drôle? C'est ça que j'oubliais. Attendez, je vais vous aider. J'ai pas l'habitude. On s'occupe de vous. Pas comme ça. Et ça vous déplaît? Non, c'est juste que je sais pas bien comment faire avec vous. J'ai tout le temps peur de pas savoir.
On n'est pas pareils tous les deux. C'est vrai. Moi, j'ai rompu avec ma famille il y a 12 ans pour faire un métier qu'ils méprisaient. Pourquoi? C'est pas bien vu chez vous d'être photographe? Non, ce qui est mal vu, c'est de prendre un autre chemin que celui qu'on a tracé pour vous. Parce que moi, j'aurais dû être ambassadeur comme mon père. Comme votre père? Oui. Mais depuis toujours, une petite voix me disait que j'étais fait pour autre chose. Donc j'aurais très bien pu la faire taire, et puis j'ai décidé au contraire de l'entendre et de la suivre. C'est la première fois que je dis ça à quelqu'un. Je crois qu'il vaut mieux qu'on rentre. Le compte y est. T'as mal compté, Odette, tu me dois 3 sous. Tu crois? Non, je suis sûre. Recompte, tu verras. T'as une parente malade? Ma tante. Elle habite dans le coin? Oui. T'as bonne mine pour une garde malade? C'est elle qui est malade, pas moi. Tu me les rends, ces 3 sous, oui ou non? Et Albert, t'as des nouvelles? C'est un phono. Je l'offrirai à Marinette pour son anniversaire. Elle en rêve depuis toujours. Je suis allé exprès à Bordeaux pour l'acheter. Vois-tu, c'est bouche cousue. Hein. C'est du jazz. Ça vient d'Amérique. C'est Constant qui me l'a conseillé. C'est une révolution, cette musique. Comme toutes les nouveautés, il faut un petit peu de temps pour s'y habituer. Tant qu'on s'y habitue, il n'existera plus, ton Tintouin. Tu connais rien, c'est les Beethoven de demain. Celui qui était sourd. Hey, range-moi ce bazar, s'il te plaît. Et tu vas me faire le plaisir de ramener ça chez le marchand. C'est pas bien ce que vous avez fait, c'est un gamin. Toute sa paye a dû y passer. Non, il m'a aidé à payer. Il avait envie de participer. Et vous avez envie de jeter de l'argent par les fenêtres? Pour faire plaisir à un ami, je n'appelle pas ça jeter l'argent par les fenêtres. Par ailleurs, je n'en ai ni les moyens, ni le goût. Quelle chaleur. Tu dors? Oui. Qu'est-ce que t'as ce soir? T'as pas l'air bien? Si tu veux, demain je vais pas à la ferme. Maintenant je suis plus obligée. Sauf qu'Aimé, il a encore besoin de moi. Il m'a rendu service, je veux pas être ingrate. T'as raison. Vous êtes là depuis longtemps? On n'avait pas dit... 3 heures. J'étais là à 3 heures. Bah, je vous prie de m'excuser. Je suis désolé, je n'arrive jamais à être à l'heure. En avance, en retard, mais jamais à l'heure. Moi, c'est tout le contraire. Remarquez, pour moi, c'est facile. L'usine. Il n'y a pas mieux pour vous rendre ponctuel. T'allais regarder. Je suis pas très content des tirages, mais bon. Qu'est-ce qu'on est belle. Allez, mon et Marinette. Quand même celle-là, comment vous avez fait? C'est un petit peu mon métier d'arranger la réalité. Ma préférée.
Et là, il n'y a pas de retouche. Elle est pour vous, je vous la donne. On est du 36. Le plus bel été de ma vie. Je pars demain, Gabi. J'ai des photos à faire, c'était prévu depuis longtemps. Mais si vous me le demandez, je reviendrai. Pourquoi? Vous n'êtes pas libre? Non. Pas seulement. Attendre de moi, Constant. J'aime ma vie, mes parents, et j'aime mon travail à l'usine. Et je l'aime, Lucien, aussi. Je suis comme eux, Constant. Je veux pas les perdre. Ben moi, c'est vous que je ne veux pas perdre. Faites-moi confiance, Gabi. Je peux pas. Je peux pas, Constant. Je peux pas. Ça tout de même. Hein? Heureusement que Raymond vous a rattrapé au vol, vous auriez filé à l'anglaise. Je vous fais si peur que ça. Pour toujours être entré dans mon cœur. Silence, silence. 1, 2, 3. Joyeux, joyeux anniversaire, ma. L'après-midi, je me promène dans Paris. Je vois chaque fois sur mon passage deux gentils garçons qui me font de l'œil sans façon. Et j'ai beau leur dire que je suis sage, j'ai des touches avec des camarades. J'ai des touches. À qui la toison, Raymond? Oh non, j'ai l'autre! Ma perruque! Non! Laisse ma perruque, c'est fragile! Marcel, rends-la-moi! Calme-moi, elle va s'abîmer. Hey Raymond, montre-nous si ton ramage ressemble à ton plumage. À poil Raymond! À poil Raymond! À poil Raymond!
Tiens, Marinette, bon anniversaire. Tu peux être fière de toi. Oh là là, excuse-moi, Marinette. Hein. Ma tata a voulu me garder à déjeuner, j'ai pas pu refuser. Mais faut pas pleurer comme ça, ma nénette. 25 ans, c'est pas si vieux. Oh, un phono. T'as été gâtée, hein? C'est dégueulasse ce qu'ils m'ont fait, c'est dégueulasse. Raymond, tu sais comment ils sont. Ils ont voulu rigoler, c'est tout. T'as pas compris. Maintenant, tout le monde va me prendre pour une tapette. Le pire, c'est qu'ils ont raison. Une houppette. Voilà ce que je suis. C'est ton bouche un coin, ça. Allez, Raymond, reviens. On voulait pas te faire de peine, juste te charrier un peu. Surtout que ton numéro, pardon, chapeau, formidable. C'est vrai? J'ai pas l'habitude de mentir. Tu sais que t'es pas mal en gonzesse, s'il y avait pas Odette. Alors je lui ai dit, toi ma poule, faut pas t'en promettre, mais t'as trouvé à qui parler. Et hop, on a remis ça. Allez Raymond, une balle. Vous saviez pour Raymond? Il avait l'humour un peu lourd. Un camarade, quand même. J'aurais jamais cru. Il est moins camarade maintenant? Je sais pas. Je vais partir, Gabi. C'est la dernière fois, Gabi. Je te promets. Il est au Grand Hôtel à Arcachon. Jusqu'à demain. T'as raison, Gabi. Vaut mieux passer à côté de sa vie plutôt que de risquer d'être heureuse. T'es bien placée pour donner ce genre de conseils. Moi, s'il m'attendait, j'hésiterais pas.
en maillot. Ah oui, c'était joli. Moi, j'adore cette toilette. Bien. Sophie, on peut y aller, là? Vous avez commandé le champagne? Oui. Qu'est-ce qu'ils attendent pour l'apporter? J'y cours. Décidément, cet hôtel est un bouge. Constant, allons-y. Constant. Pu venir plus tôt, on serait venu plus tôt. Bah, Lucien. Ouais, c'est vrai, ouais. Momo. Ouais. J'ai tout fait pour les décider. Mais qu'est-ce que tu veux? Change pas la nature humaine. Hein. Ils ont la trouille. Y a rien à faire. Hein, Momo? Bah, quand on se levait le matin, on se disait que c'était pour aujourd'hui. Et puis le soir, en se couchant, on se disait, bah tant pis, ça sera pour demain. Hein. Dommage, hein? Moi, je disais aux copains de faire la vie à leurs parents pour qu'on parte. Ça m'a fait un bazar. Lucien. Gabi. Où est-ce qu'elle est, maman? Elle est pas avec toi, Mado? T'as pleuré? Oui, j'ai pleuré. C'est à cause de Mado. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle est repartie chez nous. Quoi? Il y en a que pour Albert. Depuis 10 jours. Il lui manque. Elle aurait jamais dû partir. C'est simple, hein? J'ai l'impression d'avoir passé les vacances avec toi. C'est du Mado tout craché, ça. Elle fait la maline, et sans son Albert, hein, ta mère, y a plus personne. Exactement ce qu'elle dit. Ah, l'amour. Enfin, maintenant, on est là, c'est fini, tout ça. On va rattraper le temps perdu. Je vais la chercher. Bah, je t'accompagne. Ah non, avec la route que tu viens de faire. Reposez-vous, hein. Tu dois pas être loin. Mais t'en fais pas, mon bonhomme. Elle est sûrement chez sa tata, hein? Elle serait jamais partie sans lui dire au revoir. Elle est formidable, Mado, avec sa tante. Hein. Elle veut la voir tous les jours. Bon. Hé, hey, tu vas où, Mado? Mon mari! Mon mari est là! Tu t'en tiens à ma version et tout ira comme sur des roulettes. J'espère. Prévu ça? Pas vraiment. C'est maintenant que tu te pointes? C'était bien les vacances? Nous, c'était au poil, hein. Grâce à vous, on s'est pelé 10 jours d'horreur. T'as plutôt bonne mine pour quelqu'un qui a tant souffert. Hmm? Bon baiser d'Arcachon, Mado. Viens vite, mon bébé, t'as Mado qui t'aime. J'ai peint mes ongles de pied en rouge. Tu vas adorer. Tu te fous de moi? Les pieds en rouge? T'es en colère pour une petite carte postale? Oh, t'es trop mignon. Allez, on s'embrasse et on oublie tout. C'est fou ce côté oublieuse, Mado. En 15 ans de mariage, tu m'avais jamais parlé de ta tante. Hmm? Ta tante? Ta-ta-ta? Tata, tata, ta vieille tata, que tu vas voir tous les jours, hein, tata? Tous les jours, tata. Et tonton, comment il va, tonton, hein? J'aimerais bien la connaître, tata, hein? Je voudrais bien la voir, tata, hein? Y a pas plus de temps que de beurre en broche. Tu la veux, la vérité? Elle a été obligée de travailler pendant ses congés payés, parce que t'as eu la trouille de partir, et qu'elle était sans un rond. On est là, on vous a défendu, et toi tu débarques pour nous faire la leçon. Amende-nous, tu dis adieu à ta carrière syndicale. Bon, comme ça. Faut peut-être qu'on se réjouisse de se faire engueuler. Après tout ce qu'on a fait pour vous. Je suis un con. Ben non. Si, je suis un con. Ben non. Si, je suis un con. Mais non, allez, c'est bon. Si, je suis un con. Mais non. Je te demande pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. On est vraiment trop poires, nous, les femmes. Pardon, Mado. Excuse-moi. Mado.
Pardon. Maman! Maman! Oh, c'est bon, la famille! T'es content, Momo, hein? Oh. Maman, elle est revenue. Hein? Oui. Elle est près de nous. Je te laisserai plus jamais. Si Franco écrase les Républicains, c'est foutu pour la paix en Europe. Tu te trompes. Et je vais te dire, Albert, d'un certain côté, les Espingois, ils l'ont pas volé. Comment ça? Ouais. Faut quand même pas oublier, s'ils en sont là, c'est la faute aux anarchos. Mais tais-toi, t'y connais rien. Fais mieux de te taire. Chose est sûre, y a que le parti qui peut les tirer de là. C'est Joseph qu'il leur faut. Joseph, Joseph. Hein, Gabi? Moi, dis donc. Les vacances, ça t'a maté, toi, hein? Je t'ai connue plus virulente. Gabi? C'est peut-être pas ça que t'as envie d'entendre. Vas-y, mon Lulu. Chauffe. C'est bon, Albert, c'est pas le moment, là. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Y en a pas de meilleur. On est tous là. Albert, il a raison. C'est le meilleur moment. Je te dis oui. C'est vrai? C'est vrai, t'es d'accord? Ben vas-y, elle t'a dit oui. Oui. Je vais devenir ta femme. Oh, c'est trop mignon! Ta, 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 C'est beau ce que tu viens de dire, mon bébé. Ça m'est venu comme ça, sans réfléchir. Les pieds nickelés à la mer. J'ai des touches auprès du caporal. J'ai des touches, tout ça, c'est normal. On croyait bien ce mot nouveau, c'est un pantoire. Mais on le disait au panneau sous le directoire. J'ai des touches. Petit adjudant, j'ai des touches, mon air poussé, mon air de saint Allez, venez, allez, 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 Ah, ce qu'ils vont bien ensemble, ces deux-là. Si tu le dis. Dilith, j'espère qu'il y aura assez. T'inquiète, mon Lulu. Jeannot, qu'est-ce que t'as foutu, là? Du bois sec, pour du bois vert. Tu fouilles dans mes affaires, maintenant? J'ai pas eu besoin, elle était sur ton lit. T'imagines si Lucien était tombé dessus? Le plus bel été de ma vie. Tu pouvais me faire la morale avec Aimé. La déchirer maintenant, je l'ai assez vue. Le roi d'Angleterre. Moi, je me doutais bien qu'il y avait anguille. Bravo, hein. Le premier gogo qui passe et tu tombes dans le panneau. Oh, tu fatigues pas, Mado, c'est bon. J'espère au moins que t'as pas... Non, je sais pas. T'as pas l'intention de le revoir, au moins? Non. J'ai l'intention d'épouser Lucien, faire des beaux enfants, qui iront travailler à l'usine comme toi et comme moi. T'oublies pas. C'est bien ce que tu veux. Hein, Gabi? T'es contente? Oh, tu vois, moi, je me demande si c'est si bien que ça, les vacances.
Avant, on se posait pas toutes ces questions. Allez, Jeannot. Doucement. Attention. Qu'est-ce qu'on va se mettre, hein? Allez, pas belle, la vie, hein? Regardez qui voilà. Constant. Je savais bien qu'il pouvait pas nous quitter comme ça. C'est chic d'être venu nous porter les photos. On les attendait, tu sais. C'est qui? C'est personne. Un photographe. Vous connaissez tout le monde, sauf Lucien et Albert, qui ont mis un peu de temps à nous rejoindre. Oui, oh, oui. Je ne vais pas rester longtemps, je suis simplement venu vous apporter les photos. Ah, très beau voir ça. Ce soir, c'est le dernier soir. Tu restes à la fête, camarade Constant. Tu l'as bien mérité. Alors, ces photos, on se les regarde? Allez. Allez, vas-y, Albert. Oui, ma chérie. On va les faire pleurer. Allez, poussez-vous, les clowns. Place aux virtuoses. Les pieds dans le rond, Albert. Oh, dis, t'es gentil, toi. Oh, ça va, non? Ça va vous faire mal, les copains. Ouais. Ça, c'est de la chance. Les boules, c'est comme le reste. Il y a les as et les baltringues. Allez. Ah, ça paraît facile, hein? Mais c'est tout un art. Et autrement plus dur que la photographie. J'en suis convaincu. Qu'est-ce que tu dis de ça? Faut qu'on tombe sur le seul parigo qui sait jouer aux boules. On est vraiment pas vernis, mon Lulu. Allez, vas-y, sonne. On va leur mettre une photo pâtée. Méfie-toi, Gabi. Le bonheur, ça repasse pas les plats. Lulu, un peu de plat. Rate pas ton tour. Pourquoi je me mêle? Bon, alors, tu joues quoi? Moi aussi, j'aimais un homme. Je te parle pas de Jeannot, il y a longtemps. Il était pas comme nous. Ça m'a fait peur. Il voulait me prendre avec lui, je l'ai pas suivi. Je suis devenue une autre. Pourtant, t'as l'air d'y tenir à ton Jeannot. Tu connais beaucoup d'hommes qui élèvent l'enfant d'un autre comme leur propre fils? Il n'y a que lui qui sait. Et toi, maintenant? T'es une fille bien, Gabi. Pense à ce que je t'ai dit. Allez, joue. Parti un peu vite hier du Grand Hôtel. J'avais rien à faire là-bas. Pourquoi vous êtes venu alors? Gabi, les photos c'était un prétexte. C'est pour vous que je suis ici. Depuis le début, vous ressentez la même chose que moi, Gabi. Pourquoi vous ne voulez pas l'admettre? Parce que c'est pas vrai. On n'a rien à faire ensemble. Vous vous arrangez la réalité, moi je la vois comme elle est. On aurait pu ne jamais se rencontrer, il y a des tas de gens qui ne se rencontrent jamais. La vie nous fait ce cadeau, Gabi. On n'a pas le droit de le refuser. Vous me faites mal. Un problème, Gabi? Non. J'espère. T'es pas un jour près. Reste avec nous ce soir. Demain, on s'en va tous. J'ai ton adresse et ton numéro de téléphone. Je viendrai te voir à Paris. Je compte sur toi. Tiens. C'est gentil. Je compte sur toi aussi, Jeannot. Tu me verras en septembre. Je monte pour la fête de l'Huma. Bah, viens avec nous. Mais j'y vais chaque année, avec un pote de Montparnasse. Un peintre espagnol, Pablo. Je te le présenterai, il te plaira. Bonne route. Et merci pour les photos. Faites attention à vous. T'inquiète. Et pas tant pour un bourgeois. C'est pas un bourgeois, c'est un artiste. C'est quoi la différence? Bah, ses photos. Son boulot, si tu préfères. Ouais, je préfère. Michel!
J'aurais bien voulu t'y voir. Tout juste s'ils nous ont pas reçus à coups de fusil. La vie veut plus voir nos trônes de fainéants à casquette. L'année prochaine, faudra servir ailleurs, elle a dit. J'avais pourtant l'air charmant, la mère, surtout. Ah bah, ni l'air, ni la chanson. Sans Marinette, on faisait la une du canard local. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai amadoué. Ça va pas, Marinette? J'attends mon amoureux. T'as un amoureux? Puis quand? Bientôt. Le coup de foudre entre nous. Il est beau? Oh oui, il est magnifique. Il a les yeux bleus, il est grand, il est fort, il est là. Bonsoir Raymond. Bonsoir Amy. Alors, Nénette, tu présentes pas ton fiancé? Je m'appelle Aimé. Moi, c'est Albert. Mado, ma femme. Condoléances, madame. Mais il est piqué, celui-là. Aïe! Est-ce que tu peux être ballot, mon pauvre Albert? Tu m'as écrasé le pied. Mais pas du tout. Moi, je le sais mieux que toi. Oh, puis tu m'énerves. Mado! L'année prochaine, vous ne reconnaîtrez pas ici. Ce sera tout organisé. Douche et toilette en dur, mieux qu'à l'hôtel. Je viendrai, hein. D'ici là, il peut s'en passer des choses. Ça, c'est sûr. Vous allez vous marier, si ça se trouve, faire comme Odette et moi, un petit dans la foulée. Hein? Merci, Jeannot. T'es un homme bien. T'es pas jaloux, Lucien? Que tu viendrais. Et moi, j'étais sûre de te trouver. Le ciel, le soleil et la mer. Comme quoi, le bonheur, ça tient à pas grand-chose. Puis tu oublies les amis, la famille, le parti et le boulot. Au final, ça fait quand même pas mal pour être heureux. Des fois, il suffit d'une seule personne. Tu l'aimes, Constant. Toi aussi, tu l'aimes. Oui. Pourquoi tu vas épouser Lucien? Parce que je lui ai promis. Je lui ai donné ma parole. Puis parce que c'est mieux comme ça. C'est mieux pour qui? Pas mieux pour toi? Ni pour lui? Ni pour Constant? T'as peur de quoi? J'ai peur de faire du mal aux autres. Si t'es heureuse, les autres y finiront par l'être aussi. Ils t'aiment de trop pour te vouloir du mal. Et puis le bonheur, ça s'additionne.
Ça se divise jamais. Comment tu sais tout ça, toi? Je le sais parce que je suis seule. Et depuis plus longtemps que toi. Qu'est-ce qu'on va devenir, vraiment? On est mieux là qu'au charbon. Nous, on y retourne. Bonnes vacances, hein. Pensez pas trop à nous. Nous, on vous a oublié pendant 15 jours. Oh, tu vas fort. T'es arrivé il y a 4 jours. Tu es sûr? Bon. Momo, t'arrêtes. Momo, bouge-toi. Va me chercher les assiettes là-bas. Non, laisse-moi faire, Momo. Ah, papa. Bah, dis donc, c'est bien la première fois que je te vois mettre la table, toi. Et attends, t'as pas tout vu? À la maison, on peut manger par terre. Hein, Momo? J'ai tout briqué, du sol au plafond. Il fait du logis, ton bébé. Momo! Ton chapeau! Oh! Tu vas pas me choper une insolation le dernier jour, non? Viens là. Je vais m'occuper de tes devoirs cette année, à celui-là. Ça te soulagera un peu. Allez. Un gamin à temps complet, y a de quoi te prendre chèvre. Mamadou. Fais pas semblant, ça te ressemble pas. Tu m'aimes bien? M'aimes beaucoup. Mais tu m'aimes pas. Je peux pas vivre avec une fille qui m'aime pas. Je te rends ta parole. Lucien? L'autre là, le photographe. J'ai saisi dès qu'il s'est pointé que c'était pas n'importe qui pour toi. Je te promets, il s'est rien passé. Tu te rappelles le jour où tu m'as prêté ta paire de chaussures? Tu voulais pas aller t'inscrire à l'école en galoche? Ouais. On avait 8 ans. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'avais peur de te perdre. Ça a pas changé depuis. Un autre, ton Constant ou un autre, ça devait finir comme ça. Je l'ai toujours su. Quel est le rapport avec mes chaussures? Quand je les ai essayées, j'ai compris. Tu faisais 2 pointures de plus que moi, à l'époque. Et c'est pour tout pareil, Gabi. Tu choses plus grand que moi ou c'est moi qui chose plus petit que toi. Ça peut pas aller, quoi. Je veux pas te faire du mal, Lucien. Je veux pas te faire de la peine. Ça, je préfère avoir mal d'un coup qu'un petit peu tous les jours. De toute façon, je te rendrai jamais heureuse. Mado, viens voir. Vise-moi notre tourtereau. On dirait nous, il y a 15 ans. J'ai fait de la blanquette. T'aimes toujours ça? Pourquoi j'aimerais plus? Bah, je sais pas, moi. T'en as pas mangé depuis longtemps. Tu t'es peut-être habituée à autre chose? C'est fini, les vacances. Et puis, tu sais, faut plus de 15 jours pour l'oublier, ta blanquette. À quelle heure t'embauches? À 2 heures. Je suis toujours d'après-midi la première semaine du mois. Tu vois, t'as oublié. À ce soir, maman. À ce soir, ma grande. Oh là là, on parle pas. Ah oui. Momo, il parle plus que d'une chose. Les vacances. Les vacances, les vacances, les vacances. C'est tout. Ah, oh, celui-là, je te jure.
Vas-y, ma belle. On est avec toi. Pour toujours. Après, on s'est plus quittés, on est partis en Espagne, on a eu un enfant, puis un autre. D'autres voyages, d'autres guerres et d'autres photos. 40 ans de vie et de bonheur ensemble.